Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment créer un lecteur de récupération pour Windows 10 ou 11. Un lecteur de récupération vous sera très utile si un jour vous rencontrez une difficulté sur votre PC qui empêche de le redémarrer, ou si vous avez besoin de réparer ou de réinstaller Windows. Pour créer un lecteur de récupération, vous n'aurez besoin que d'une simple clé de 2 Go. Avant de vous montrer comment faire, n'oubliez pas de vous abonner, cliquez sur le j'aime, et surtout, partagez cette vidéo. Cette manipulation, elle peut se faire aussi bien sur Windows 10 que Windows 11, et si un jour vous avez un problème sur votre PC, vous pouvez toujours créer cette clé à partir d'un autre ordinateur que le vôtre. Pour commencer, tout simplement, vous allez venir connecter votre clé USB qui va servir de lecteur de récupération. Vous allez venir ici dans la zone de recherche, vous allez rentrer lecteur de récupération. Vous le sélectionnez. Ici, vous allez décocher sauvegarder les fichiers système sur le lecteur de récupération. Sinon, ça va être très très long, ça ne vous apporte rien de plus. Ensuite, vous cliquez sur suivant. Je vous conseille effectivement de n'avoir qu'un seul lecteur connecté, donc la clé qu'on va utiliser pour ne pas se tromper. Je vais cliquer maintenant sur suivant. Et là, j'ai un avertissement qui me rappelle que tout sera effacé sur ce support externe. Donc c'est pas bien grave puisque ce lecteur est prévu pour ça. Et là, je vais cliquer sur créer. Ensuite, il n'y a plus qu'à patienter et attendre que le lecteur soit finalisé. Quand vous en avez terminé, il vous suffit simplement de cliquer sur terminer et ensuite d'éjecter votre clé USB. Gardez maintenant précieusement cette clé USB, elle pourrait vous servir en cas de besoin. J'espère que cette vidéo vous a plu, prenez soin de vous et à bientôt pour de prochains tutos.